John, we got a telegram from some lady friend of yours, a Bonnie something or other. Something you ain't telling me? Bonnie McFarlane. She's a friend. Saved my life when I went after Bill and nearly got myself killed again. Oh, now you two's in the habit of sending each other letters. How very nice. It weren't nothing like that. What's it say? I don't know. I can't. Well, you know I can't read. Give it here. You read that thing out loud. I ain't hiding nothing. Dear Mr. Marston, stop. Need corn sacks. Stop. Emergency. Stop. Weevils and moths ate entire county supply. Stop. Can you help? Not exactly the most romantic request now, is it? I guess not. She saved your life, you say? Yes, ma'am. Well, then you're gonna have to help her and her family out. We've got a plentiful supply of corn sacks over near the silo. About the one thing Uncle didn't manage to have stolen while we was gone. Okay. Hurry back, John. And John, what's she like? You know. A little bit like you, I guess. She's a woman in a man's world. Yeah! Once I stood at the foot of a great high mountain that I wanted so much to climb. John, wait! I changed my mind. I'm coming with you. What are you waiting for? We better hurry. Fair enough. I'm glad of the company. You only had to ask. Ask? I was waiting for you to ask me. I thought you'd want to keep an eye on the boy. Oh, while you were off cavorting with cowgirls in the next county? I don't think so, John Marston. You only just got home. That Jack has seen enough of me for a lifetime. So, is she married? Is Bonnie McFarlane? No. What does she look like? I don't know. Pretty normal, I suppose. Normal? What? Normal like me? No. Normal as in two eyes, mouth, nose, that kind of normal. Besides, ain't no woman fine as you. A little flattery. Now we're finally getting somewhere. If you find yourself in a hole, the first thing to do is stop digging. Another pearl of wisdom from John Marston. I sure do miss those. I never took you for the jealous type, Abigail. I ain't jealous so much as curious. You heard what she wrote. It's just some corn. She saved my life, and she was decent enough to me, so I owe her this much at least. How did she save your life, anyway? She found me half dead on the side of the road and took me to the doctor. Most folks would have left me there. Half dead from what? Bill didn't take so kindly to be visiting unannounced. Bill never did like surprises. How was he? Same as he was when we left. Angry and dumb. Taking his revenge out on the world. People down there was really scared of him. Of Bill? You gotta be kidding me. He was only frightening if he was afraid of dumb fools. Bill weren't so bad, but when Dutch went crazy, Bill took it hard. For a while, we all thought we'd found something right. A better way to live. But it was just a lie, so you saw before they did. Maybe, but they was still kind of a family. A family that left you for dead. You knew the truth, John, and they hated you for it. Where'd they take you? Who? Those government bastards. Where did they hold you and Jack? I ain't sure. They kept their eyes covered there and back. Can't have been too far from here, though. They treat you right? It ain't the first time I've had a gun to my head, John.
You're forgetting your marriage proposal. Very funny. No, they learned pretty quick what would happen if they laid a finger on me. Sons of bitches. It wasn't them or being there. I didn't care about that. I've been in far worse situations. It was the wait. I didn't know if you was coming back. You came. Thank you so much. We lost the entire harvest. Miss McFarland, I'd like you to meet my wife, Abigail. Oh, ain't you quite the gentleman all of a sudden? It's a pleasure to meet you, Mrs. Marston. Likewise. Thank you for saving my husband's life. And for... teaching the miserable goats manners, among other things. I didn't teach him anything. I know better than to try to change a man. You should meet my father. Oh, people can change, Miss McFarland. John and I have to believe that more than anybody. This is a decent first harvest for you, John. You should be proud. That's good land you got there. How are you feeling, Mrs. Marston? From what your husband told me, it must have been awful for you. I've been through worse, and I knew he'd be back before too long. He can't cook a meal to save his life. Abigail, in my darkest hours, when I was most homesick, just the thought of one of your rat meat stews kept me pushing forward. Well, about as amusing as a weeping saddle sore, ain't it, Mr. Farley? If you're gonna start yammering about women's work, John, I'd say you might be in the wrong company. I'd say so, too. I never felt so outnumbered. Ouais, c'est la solidarité féminine, mon gars. Tu t'es fait piéger comme un bleu, là. T'as encore beaucoup de choses à apprendre sur les femmes, toi. Et voilà, on a aidé enfin Bonnie McFarlane. Ça fait plaisir d'aider cette charmante dame hein, qui a toujours été là pour nous. La pauvre, elle a l'air dégoûtée. Hein, ouais. Parce que là, elle vient de comprendre... de manière définitive que c'était mort avec John. Et là c'est la petite cinématique. Ah ouais, peut-être qu'elle va aller se faire là elle vient de comprendre en très gros dans le petit passage là, elle vient de comprendre que c'était mort définitivement avec John, hein. Il fallait pas espérer faire quoi que ce soit avec lui hein. Alors je voulais dire un truc également concernant Abigail Marston. Ouais, c'est une référence à Etta Place. I already got a rancher's wife. I'm only teasing. I like her. And I'm glad she saved her. Ah non, mais attends, là tu me fais faire un détour là. The McFarlands are good people. Where are you going? This isn't the way home. Mais si, c'est la bonne route. Better than a shepherd's sunset when she saw you, though. I have that effect on women. You've clearly had one too many blows to the head. You ain't wrong about that, Mrs. Marston. Voilà, ça va beaucoup plus vite par là. Les conneries, par contre, je sais pas si je peux passer dans la flotte. I don't know, John. How many times can we start again? An outlaw and a working girl. We ain't exactly farmers. We are now. Forget that life. It's over. Do you really believe that? We have comme des pionniers, chérie. It's the only way we'll ever have a future. The life we led, that doesn't go away. Never over. You think those government men are just gonna leave us alone now? The old gang's dead. I did what they asked. And that's it? A life of crime forgiven? We're back together, ain't we? Until they decide you owe them something else. Sometimes I think I was the stupid one for believing I could get out. Maybe Dutch, Bill, and Javier were just being honest with themselves. You ain't perfect, John, and I sure ain't. But you're better than they are, than they were. Maybe we can't change. We gotta try, for Jack's sake. Even if we have to start again 100 times. It's better than going back to what we were. How's Jack doing? Angry, upset. He's been through a lot. I hope he's gonna be alright. Gonna take time.
For a while, his world was safe. Normal, even. Then it got turned upside down again. He ain't saying much about it. I've tried to talk to him, but how do you explain any of this? What do you say when he asks about Uncle Phil and Uncle Dutch? They were family when he was a little boy. He hides away in those books of his. Wouldn't you? It ain't like the real world's done him many favors. He's just been kidnapped. He grew up with the gang. That's no life for a boy. We did our best to protect him. Come on, John. He saw things no boy should see. Well, now we got a chance to make it right. Bon, le dialogue est terminé. Les dialogues sont assez longs dans Red Dead, dans tous les jeux Rockstar. Vous allez me dire, c'est pour ça que je vais pas trop vite, parce que si j'arrive, si je rentre au ranch avant la fin du dialogue, j'aurai pas la fin. Donc, tout simplement, c'est pour ça que je préfère que toutes les lignes de dialogue soient écoulées afin d'en avoir un maximum. Je voulais dire un truc, oui, c'était concernant Abigail Marston. Donc c'est une référence à Etta Place, qui est la compagne du Sundance Kid dans le film Butch Cassidy et le Sundance Kid. Avec Robert Redford et Paul Newman. C'est un petit peu le même type de femme en fait, le même type de personnage. Et puis physiquement il y a des airs également, hein, donc je pense que les développeurs s'en sont fortement inspirés. Etta Place donc, qui a accompagné, pour la petite histoire, Sundance Kid et Butch Cassidy faisaient partie de la horde sauvage, de Wild Horde, qui attaquait des trains en très gros et des banques. Et puis un jour ça a mal tourné, donc ils ont été obligés de se casser tous les deux, avec la meuf, avec Etta Place. Ils ont été obligés de se casser jusqu'en Bolivie, j'allais dire Colombie, mais non, jusqu'en Bolivie. Et puis en Bolivie, apparemment, on sait pas trop ce qu'ils sont devenus. Il y a deux versions. Il y a la version comme quoi ils auraient tenté un braquage de trou en Bolivie et se seraient fait trouer la peau. C'est la version la plus connue, la version officielle. Et la version officieuse voudrait que la sœur de Butch Cassidy l'ait revue aux États-Unis. Ça voudrait dire que le mec s'est fait oublier. Ils se sont fait oublier en Bolivie. Et il serait revenu plusieurs années après, genre dans les années 1920-1930. Il serait revenu aux États-Unis. Une fois que tout le monde les a oubliés, tout le monde les croit morts, ils reviennent aux États-Unis. Et apparemment, c'est ce qu'a dit en tout cas la sœur de Butch Cassidy. Hein. Elle a dit qu'elle avait revu son frère et qu'il n'était pas mort. Les munitions, qui c'est qui les paye les munitions, espèce de tocard? Ce fils, c'est incroyable, hein. Bon, c'est vrai que je suis méchant avec mon fils, va falloir que je me calme. Non, mais le problème, c'est que le mec, il se rend pas compte que c'est pas forcément facile la vie de fermier en 1911. Et le mec, il bouffe des balles, des munitions comme ça, comme si c'était lui qui les payait, alors que c'est pas lui qui les paye. Donc moi, je dis non, non et non. Par contre, on peut pas atteler des chevaux quand ils sont. Donc voilà un truc gros concernant l'histoire de Butch Cassidy et Sundance Kid, un film des années 50, 60, 50, je crois. Oh, je sais plus. C'est un vieux film, hein, mais il est pas terrible du tout. Franchement, je l'ai pas aimé, moi. Je l'ai pas aimé non pas parce que c'est un vieux film, hein, parce que moi je suis un grand fan des vieux films. Je regarde beaucoup de films des années 50, 60, 70, 80 et très peu de films modernes. Donc je l'ai pas aimé non pas donc parce que c'est un vieux film, mais je l'ai pas aimé parce que non, j'ai trouvé que c'était mal tourné, enfin peut-être pas mal joué, mais non, pas terrible. Je vous fais visiter les lieux, hein, parce qu'après tout. Donc ça ici là, on a une inscription au mur. Oh my son, my blessed son. Ça c'est un cheat code, voilà. Un cheat code, et donc les développeurs de les Rockstar donc à... Hop, c'était pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Rockstar a donc mis le cheat code ici, voilà. Vous le rentrez dans le menu... option, dans le menu code, entrée code, voilà, vous augmentez le code, nanana et tout. Et voilà, et je ne vous dis pas ce que ça fait, je vous dirai ça plus tard. Alors, on a une mission avec l'Uncle et une mission avec Jack. Qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a que 17 minutes d'écoulé sur cet épisode. Donc là, ça va aller très très vite, hein. Je pense faire encore 2-3 épisodes, pas plus, sur cette aventure Red Dead. On va parler à Jack. Puisqu'il est à côté, donc l'un dans l'autre. Ouais, si, on va parler à Jack. Oula, j'ai cru voir un cougar dans le jardin. C'est quoi dans ton jardin? C'est un chat? Non, c'est un cougar. Oh, c'est bon. You're tensing up.
I'm not. You are. Your back's tense and it's making the rifle jump. You're holding it wrong. Here, let me show you. I don't need you to show me, Paul. I guess not. Don't show me and you'll just run off again or something. It's better I teach myself. I ain't going nowhere. Whatever you say, Paul. Don't be like that. Sorry. Wolf's been after the herd. Gotta get out there and scare him off. You wanna come with me? Safer with two. Okay. Allez, une petite mission avec le fiston, ça fait plaisir. On va essayer de resserrer les liens. On en a bien besoin après la mésaventure que ma famille a connue. Et on repart à la chasse avec Rufus, le chien fou, le chien tout fou. Le labrador débile. Ah, j'adore les labradors, hein, je dis ça, mais j'adore, c'est vrai que c'est peut-être même mes chiens préférés, quoi. C'est un truc. Just trying to look out for you. You can't just decide to be a father when it suits you. What about the rest of the time? Come on, Jack. That ain't exactly fair. One minute you're telling me to be a man, the next you tell me I'm just a boy. It's gonna take a while for things to get back to normal. Normal? Was it ever normal? I don't know, but it'll get better, son. I promise. Je sais pas si vous avez remarqué, le jeu a tendance à connaître des chutes de framerate dans les environnements boisés, surtout pendant les missions. Surtout pendant les missions. I'm glad you're home. I really am. It's just every time you go up, well, I worry you're not coming back. I swear, if it was down to me, I'd never have gone anywhere. They can't make you, can they? It's complicated, but it seems they can. Yeah, I know. I wouldn't understand. Just some things you start have to be finished. What was your father like? I didn't really know him. He died when I was just a boy. Jack, he's found a scent. Stay with me. Je vois pas le chien dans la neige. Bah, en même temps, il est blanc, donc. Paul, is Uncle really your uncle? Ah, mais il est là. No. At least I sincerely hope not. He's probably lots of people's father, though. Well, why'd he call him Uncle then? Folks always did. Probably because he's always been older than everybody else. He was old when I was a kid. He was old when I was a kid, son. God must have had some purpose for keeping him on this earth. But I sure as hell don't know what that is. Whoa there. You're gonna land us both in the dirt. Come on, boy. Sans déconner, j'étais plus efficace sans le chien, moi. Quand je chassais pour débloquer les tenues, les conneries. Hein. Ah non, non, mais sans déconner. Come on. Je suis à combien de pourcentage dans le jeu, d'ailleurs là? Général. Jeu termine à 93%. Ça fait 152 jours, soit à peu près 5 mois, on va dire. Ouais, c'est ça, à peu près 5 mois que je suis... arrivé depuis, comment dire, je suis arrivé avec le Morning Star, hein, au port de Blackwater. Ça fait 5 mois que j'ai commencé ma quête. Et elle est longue, ma quête. Elle est très longue, ma quête. Ça, c'est un petit clin d'œil à une émission Striptease. Ceux qui l'ont vu comprendront de quoi je parle. Tous les autres, ils sauront pas pourquoi je rigole là-dessus. Mission à New Austin. 24 missions à New Austin. Ah, c'est... Ah, non, non, mais regardez, il y a beaucoup plus de missions à Nuevo Paraíso qu'à New Austin, en fait. Il y en a 24 à New Austin et 17 à Nuevo Paraíso. Et je disais que... c'est quoi, Homestead? Je suppose que c'est le foyer, hein, Homestead. Donc, Beecher's Hope. Puisqu'en très gros, le jeu considère que Beecher's Hope, c'est la quatrième partie du jeu, hein, très gros. C'est après West Elizabeth, mais c'est débile parce que c'est à West Elizabeth, donc voilà, c'est ça. Pour moi, il y a trois parties dans le jeu, il n'y en a pas quatre. Mission, c'est vrai que ça marque un tournant au niveau scénaristique, puisque les missions sont terminées, tu retrouves ta femme, ta famille, tout le bordel. Donc c'est vrai que ça marque un tournant, mais pour moi, ça fait quand même partie de la troisième troisième gros chapitre du jeu. Toujours est-il que oui, je disais que Nuevo Paraíso, ça me paraissait bizarre de faire moins d'épisodes que sur New Austin, puisque... Il m'avait semblé qu'il y avait plus de missions à Nuevo Paraíso, que c'était beaucoup plus long, et c'est pour ça que ça m'avait paru bizarre de faire moins d'épisodes. J'en avais fait 11
contre 14 pour New Austin. Et donc je me suis dit, il y a un souci, mais en fait, non, c'est juste que... Non, il y a plus de missions à New Austin qu'à Nuevo Paraíso, c'est incroyable. Putain, il y en a 24, mais c'est immense, 24, je me rends pas compte. Je me rappelle pas. Avoir participé à autant de missions. Il y a les missions Bonnie McFarlane, il y a les missions Marshall Johnson, il y a 2-3 missions Irlandais, pas plus. 2-3 missions, 3 missions Dickens, pas plus. 2 missions Seth Briars. Qui donne des missions Enfin bref, ça me paraît bizarre. Vous allez, par contre, à Nuevo Paraíso, les missions sont peut-être plus intenses. On voit pas le temps passer au Mexique parce que les missions sont beaucoup plus intenses. Vous avez vu, hein, y a pas photo entre les missions de New Austin et les missions de Nuevo Paraíso. C'est pour ça que je disais souvent que quand j'étais à New Austin, je disais souvent vous avez rien vu parce que le jeu commence vraiment au Mexique. Et c'est le cas, y a rien à voir. Et missions à West Elizabeth, il n'y en a pas énorme, il n'y en a que 7. Bon, en tout et pour tout, là j'en suis déjà à la 12e, mais c'est pas énorme. Je suis héros, l'honneur. C'est vrai que je montre jamais ça, les stats. Réputation légende. Temps total de jeu, 2 jours, 10 heures, 30 minutes, 20 secondes. Bon, c'est pas énorme. C'est pas énorme sur un jeu auquel j'ai déjà rempli 93%. C'est énorme, 96%. Voyage abrégé 2. J'ai pas compris ce que c'était. Ah oui, c'est les cinématiques. Ça doit être les cinématiques quand je foire une mission ou je sais plus ce que c'est. Bref, toujours est-il qu'on s'en fout. J'ai découvert toutes les zones du jeu, donc là pour le 100% on est pas mal. Ouais, là pour le 100% on est pas mal puisque j'ai découvert toutes les missions, toutes les zones pardon du jeu. Repère de bande nettoyée 5. De toute façon, il y en a combien? Il y en a 2 au Mexique. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5 à New Austin et 2 au Mexique. Au Mexique, je les ai pas fait les repères de gang. Je les ai fait une fois chacun, j'ai fait celle de Tesoro Azul et celle de Nosalida au Mexique, qui sont les repères de gang, les deux seuls repères de gang qu'on trouve au Mexique. Je les ai fait une fois chacun parce qu'elles étaient scriptées via un service. Il y en a un, celui de Nosalida, c'était le service de l'opium du peuple, et celui de Tesoro Azul, c'était le service. C'était une mission du scénario, je veux dire. Et par contre, vu que je les ai fait avec les missions, je ne suis pas retourné les faire après, ces repères de bande, le jeu considère que je ne les ai pas nettoyés. Donc il faudra que je retourne au Mexique, les nettoyer pour que le jeu considère que c'est fait. Donc il y en a deux, il m'en manque deux pour avoir les 100%. Gaptus Ridge, 14 minutes. C'est quel le repère de Gaptus Ridge qui est aussi long que ça? Gaptus Ridge, c'est Gaptus Bridge tout simplement. 14 minutes, c'est vrai que c'est le plus long, hein. C'est dans les grottes tout ça. Puis en plus je me suis pas dépêché parce que c'était le scénario, donc maison du joueur 12. Armureur. Travail préféré, veille de nuit. J'ai pas fait beaucoup de petits travaux sur ce playthrough. Veille de nuit effectuée, dressage de chevaux, lieu de travail préféré. Tu parles ça, mais c'est ma ville préférée, c'est pour ça. Chevaux dressés 8, étrangers rencontrés. Services rendus, les 18 sont là, j'en ai plus. Les services c'est terminé, hein. C'est pareil, il n'y en aura plus. Attendez. Tac, donc voilà pour les stats. Hop, hop. Allez, on finit cette mission. That's a signal. Come on. Let's go. Et là, apparemment, on a des élans ou des saloperies qu'on spawn. Des loups, carrément, c'est des loups. Come on. Ah oui, je vous ai pas montré les armes légendaires que j'ai achetées au Mexique. Hop, et en reste un. Je vous ai pas montré les armes légendaires que j'ai achetées au Mexique. Je vous rappelle qu'il y a 5 armes légendaires dans le jeu à débloquer. Le chien a bugué complètement. Ça m'appelle le chien dans Fable. Sortons un sky gros, hein. Ok, donc les loups sont en contrebas. Je vais utiliser le sniper, ça m'évitera d'avoir à me casser la gueule le long de cette falaise. De toute façon, on me demande pas de les dépecer, donc
Alors je vous rappelle qu'en dépeçant les loups, on peut trouver des victuailles, ce qui nous permet d'améliorer le... Enfin, ce qui nous permet justement de d'avoir des items de soins dans la besace qu'on ne pouvait pas avant d'atteindre le niveau 10 du niveau de chasse. Alors oui, je me demandais comment on faisait les élixirs avec les plantes. En fait, c'est tout con, ça se fait automatiquement. Quand vous ramassez des plantes, les élixirs se font automatiquement dans votre besace. Ok, donc là, je vais pas arriver à les choper, les salopards. Ça sert à rien parce qu'ils sont toujours en mouvement. Donc, où est mon cheval là? Il s'est déjà barré, mon cheval. Ça arrive. Bah tiens, on va tester une arme légendaire. Voilà, fusil semi-automatique. Ça, c'est une arme légendaire. Putain, ils sont rapides. Alors ça, c'est une arme légendaire. C'est de la chevroutine. Vous voyez, ça tire deux coups d'affilée. C'est complètement pété. En vrai, tu chasses pas avec ça, hein, parce que sinon, tu bouffes du plomb après. Hein. Il en reste un, mais... Il va me faire chier, parce qu'il va pas vouloir venir, lui. Ah, je vais me bloquer dans le décor avec mes conneries. Il va pas vouloir venir, l'enculé. Hein. Je sais pas où il est barré, là, mais... Bon, le meilleur moyen, c'est d'aller le chercher. En essayant de pas crever si je tombe là. Donc voilà, fusil semi-automatique, c'est l'arme légendaire. Il y a une arme légendaire de chaque type. Il y a l'arme légendaire donc de... Attention, ça arrive, il est là-bas. Putain, ouais. Forcément, la chevrotine à cette distance, c'est pas efficace. Vous avez donc cette arme-là en carabine. L'arme légendaire, c'est la carabine Evans, si je dis pas de conneries. Carabine Evans. Le revolver, c'est le revolver Lemat. C'est une arme française d'ailleurs. C'est pour ça que ça s'appelle revolver Lemat. C'est le revolver le plus puissant du jeu. Pas mon préféré parce que trop moderne. Donc voilà, je vous montre. Voilà, par contre, j'aime bien le bruit qu'il fait. You don't leave the farm without checking with me first, you hear? Yes, sir, I hear you. Voilà, le fiston qui commence à prendre des ailes, qui se prend pour un guerrier, là. Of course! What? I shot it at a guard one time, and he yelled that you were a murderer. Maybe, but I live my life believing there's a difference between killing and murdering. No, and I guess I've been both. That's how it goes. We all do what we have to survive. And sometimes it ain't pretty. And in the end, we pay the price for what we did. Like those rustlers who attacked our cattle? Exactly. Look, when I was a kid, things were different. Rules were different, but that's over now. You know, we can be out. All we did was kill a few wolves. I'm happy with my two arms, if you don't mind. And what about your mom? You live in a dream world. It ain't like they tell it in books. And it ain't no way to live life. It was ugly and brutal. You'll have a farm of your own. You can read and write. Don't waste your life, son. Don't live like I had to. Il me stresse le chien, putain. Ferme ta gueule, putain, c'est incroyable ça. Il est dissident ce chien là. Bon, on va pas s'emmerder avec les conventions. Hop, voilà. Parce que les GPS à cette époque-là, ils étaient pas forcément performants, la preuve. Et nous voilà de retour à Beecher's Hope. On va pouvoir. Alors moi, je vais arrêter de jouer pour. Alors ça marque pas la fin de l'épisode. L'épisode va continuer. Je reprendrai juste plus tard. Hop. You're turned into a decent hunter, son. But try to stay out of trouble. Pourquoi ils sont allés chasser des loups? Ça se bouffe pas le loup. On va savoir pourquoi. C'est une perte de temps comme une autre. Perte de temps et de munitions. Enfin bref, en plus c'est prendre des risques inutilement. C'est pas grave. En plus des loups, quoi, je veux dire, c'est pas en chassant 6 ou 7 que tu vas éradiquer la race dans la région.
Voilà, donc je vais aller sauvegarder, puis l'épisode continue, je voulais juste vous montrer. Alors le mat, revolver le mat, voilà, arme française, arme légendaire du jeu. Une cadence de tir complètement pétée, j'aime pas du tout la façon, enfin la, comment dire, la façon avec laquelle il se recharge. Le fusil semi-automatique, et la gonzesse va gueuler, parce que je suis en train de tirer dans ses plantes. Je me rappelle plus de la carabine légendaire, ça doit être la Evans ou la Henry, peut-être même, non, ça à mon avis c'est la Henry. Et c'est à peu près tout ce qu'on a. Voilà. Ah oui, il y a le Mauser également qui est considéré comme une arme légendaire. C'est celui-là, je l'utilise jamais parce que c'est laid. Par contre, c'est pété, hein, y a pas de souci à ce niveau-là. Hein. Il y avait ça et puis il y avait quoi aussi que j'avais eu? Non, bah c'est tout. Voilà, donc là j'ai quasiment toutes les armes du jeu, faut le savoir. Je crois que bah, je les ai même toutes en fait. Comme ça, au moins vous aurez tout vu. Allez hop! Reprise des zings. Épisode 37 dont j'ai tourné la première partie hier soir. On est donc au lendemain de ma première session sur cet épisode. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, il y a peu, j'ai tourné l'épisode spécial Tumbleweed, là, celui que vous avez eu beaucoup plus tôt sur ma chaîne en hors-série. J'ai tourné il y a peu, moi, il y a quelques jours seulement. Et je ne suis pas rentré totalement... Comment dire? Je suis pas rentré totalement épargné hein, par cette excursion hein, dans les manoirs soi-disant hantés de Tumbleweed qui ne l'est pas finalement. Enfin, je croyais qu'il ne l'était pas puisque j'ai apparemment j'aurais ramené avec moi une malédiction. Un esprit malveillant m'aurait suivi depuis mon excursion au manoir et se serait emparé de ma pauvre femme Abigail qui est littéralement possédée par le démon. Voilà, regardez! Elle est littéralement possédée par le démon, j'ai tout essayé, j'ai fait venir un prêtre exorciste, il n'y a rien à faire, voilà. Donc je sais pas comment je pourrais faire. J'ai bien essayé de lui mettre une balle dans la tête, mais elle osef complètement, donc ma pauvre femme Abigail est littéralement possédée par le diable, voilà. Donc Tumbleweed est bel et bien hanté, vous ramenez avec vous un esprit démoniaque, maléfique, et en plus on peut pas la faire tomber. Violence sur femme ou pas violence sur femme? On peut pas non plus. Violence sur femme ou pas violence sur femme? On peut pas. Violence sur femme ou pas violence sur femme? Sors du corps de ma femme! Démon! Ah. J'aime l'entendre crier. C'est pas grave. Oui, donc comme je le disais, il commence très bien cet épisode. Enfin, c'est même pas le début de l'épisode en plus. L'aventure qui touche à sa fin, et ça fait chier. Parce que moi, je suis dessus depuis le 21 mai. Non, même pas, je suis dessus depuis bien avant. Hein. Le 21 mai, c'est la date à laquelle je l'ai mis en ligne sur ma chaîne, le premier épisode. Donc je suis dessus depuis, on va dire, fin avril, je suis sur Red Dead. Ah bah voilà, les choses sont revenues dans l'ordre, sont rentrées dans l'ordre. Tu t'es purifié de toi-même. Donc voilà, donc pour purifier une personne possédée, un coup de cocktail Molotov, ça devrait faire l'affaire. Bah écoutez, on va dormir, on va rejoindre le lit conjugal. On va faire des choses à notre femme. On va remplir son devoir de mari. Et voilà, le jour se lève tranquillement sur Beecher's Hope. Ma femme n'est plus possédée, ça fait plaisir. Bonjour mon chéri. Non, j'ai dit bonjour chéri, j'ai pas dit bonjour mon chéri. C'est vrai que vous avez pu comprendre bonjour mon chéri, mais à ce que je sache, c'est pas un chimail. Hein. Voilà. C'est pas un chimail. Ok, donc ma femme est bloquée, elle veut pas pousser la porte, elle sait pas comment on fait. C'est comme ça qu'on pousse une porte, chérie. Ça te va? T'aimes ça? J'ai l'impression de sortir avec une handicapée. T'as pas de problème neurologique à ce que je sache. Bon, bah voilà. Allez, hop, au fourneau. Le machisme de l'Austral, le machisme exacerbé de l'Austral. Qu'est-ce que je disais? Que le jeu touchait à sa fin, que ça me faisait chier, blablabli, blablabla, etc. Nanani, nananer, voilà. Il y a une mission de l'Uncle que je vais faire qui se trouve là-haut sur la colline.
Et je sais même pas si je vais réussir à tenir sur. Je voulais tenir sur 40 épisodes, je sais même pas si ça va être possible. Pour être franc avec vous, je vais essayer de pas déclencher cette mission. Je sais même pas si ça va être possible. De tenir sur 40 épisodes. Hein. Parce que là, il me reste. En tout et pour tout, il doit me rester peut-être 4 missions, hein, pas plus. Hein. C'est des missions qui sont assez rapides, je peux en faire au moins 3 dans un épisode de 1 heure. Donc. Je pense pas tenir jusqu'à 40, mais enfin, c'est pas grave. Tant pis. Je vais rejoindre l'oncle. Je profite de la. Des senteurs matinales, comme dirait le doc Amarty dans Retour vers le futur 3. On profite des odeurs matinales. Il y a un petit choral ici, tiens, derrière la grange. J'ai cru qu'il y avait un animal sur le toit, mais non, c'est là. Tac. Ça, je croyais que c'était un animal, mais non, c'est la cheminée. Je vous avais donc montré mes armes légendaires. Hein, Oh, il va pleuvoir, fait chier. Le revolver, le mat. Le pistolet semi-automatique. Je sais pas si je vous l'avais montré, celui-ci. Donc voilà, une cadence de tir complètement craquée. Mais j'aime pas du tout le skin, c'est très laid. J'aime pas non plus le skin du Mauser. Bien que voilà, c'est des revolvers qui sont très très efficaces. Je vais baisser le son parce que je suis en train de m'exploser les oreilles là. Tac. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Je me rappelle plus quelle arme est considérée comme légendaire. Je crois que c'est la carabine Henry. Ça, on s'en fout. Et puis donc là, je vous avais montré. Alors attendez, le fusil à pompe, je vais l'essayer quand même. Ouais, bon, à cette distance-là, c'est pas efficace. Hein. On est bien d'accord. Il est sympa le fusil à pompe. Hein. Même si c'est pas du tout ce que. Moi, je préfère largement le. J'aime pas forcément les trucs de chevrotine, mais voilà, si je devais choisir, bien évidemment, je prendrais le fusil à canoncier. Le fusil semi-automatique est assez sympa, mais pareil, trop moderne pour moi. Hein. C'est trop moderne pour John Marston, ça. Hein. Donc on va rester au bon vieux fusil de shérif, qui est le fusil à double canon. Voilà, celui-ci. Alors, il est où, l'uncle? Et c'est ici qu'on avait croisé l'étranger mystérieux. Qui avant de me quitter, j'avais essayé de lui tirer dessus 4 balles. J'ai essayé de lui tirer dessus 4 fois. Et au bout de la quatrième, mon pistolet s'est enrayé. Les 3 premières balles ne l'ont pas touché. On sait pas pourquoi. Toujours est-il que il les a littéralement absorbées. Et avant de disparaître, il m'avait dit un truc du style « c'est ici ». Ici, ça sera parfait. Voilà, la phrase qu'il m'avait dite. On va parler à l'uncle qui est en train de regarder ma femme aux jumelles, là. Oh! Qui est en train de prendre sa douche, là. Non, mais il se prend pour qui, celui-là? What are you looking at, old man? Ta femme. Wondering if it was worth getting you and going around some of them up. Fair enough. Un Mustang. We're out of money. Ranch is in turmoil. We may not make it through the winter. What could we possibly want with some good quality horses? Come on. That tone of voice ain't so becoming on you. Makes you seem all pent up and angry like some Blackwater would-be business tycoon with a bad case of hemorrhoids. I'll give you a bad case if someone just shot me in the head if you don't hurry up. Il n'est pas commode, Marston, depuis qu'il est rentré. Hein. Avec ce vieillard. Il y a des tensions, hein. Il y a des tensions dans le couple là entre le vieillard et John, Johnny B. Good. Allez, on va monter sur le. Sur Cisco. Calme-toi, t'es plus tout jeune, hein. T'as plus 20 ans. Hein. Apparemment, on va capturer des Mustangs. Why you gotta act so biggity all the damn time? What happened to you? What were you gonna do? Just look at them horses all day? Well, God forbid I'd do anything around here without checking with His Royal Highness first. Yeah, you're real good at watching. That's about all you're good for, apart from bending your elbow. I can't do right for doing wrong. You're an ungrateful bastard, you know. I did my best when you was gone. Your best is like anybody else's worst. Come on, I'm getting old. I gotta start.
Juste un truc, je préfère préciser, je le trouve vachement ingrat quand même, John, avec ce vieillard. Hein. Parce qu'apparemment, il lui reproche d'avoir été feignant, tout bordel et tout. Mais je vais juste rappeler un truc à John quand même, avant de critiquer une personne âgée de ne pas assez travailler, je vais juste lui rappeler un truc à ce John. C'est que il a essayé, comme il dit, hein, il a essayé de faire du mieux qu'il pouvait. Il est plus tout jeune, il a plus 20 ans, c'est très dur un travail de fermier, surtout quand à son âge. Il a essayé de faire du mieux qu'il pouvait pendant que toi, t'étais en escapade à travers tout le pays pour essayer de récupérer tes anciens partenaires de gang. Ce qui insinue donc que tu faisais partie d'un gang dans le passé, que tu as été un criminel dans le passé. Donc tout ce qui t'arrive à l'heure actuelle, ce qui est arrivé à ta femme, à ton fils et à ce vieillard, c'est ta faute, John. Voilà, faut pas l'oublier ça. Hein. T'avais qu'à pas faire le con quand t'étais jeune. Faut le savoir, c'est tout. Donc c'est pas la peine maintenant de critiquer machin parce que il est vieux, c'est un vieillard. You've been taking things easy for 40 years. Parce que lui, John, il avait quand même une vie de parvenu, hein. Parce que quand on choisit la vie de Desperado, c'est quand même qu'on a un feignant, parce qu'on n'a pas envie de travailler, on a envie de gagner de l'argent facilement en braquant des gens. Donc avant de critiquer, il ferait mieux de se regarder dans un miroir, le Johnny. Hein. Alors faut que je capture un cheval sauvage, un Mustang, on va capturer le plus beau. J'aime bien ceux à la robe marron, j'aime pas trop les blancs et marrons, c'est pas beau. Par contre celui-là il me plaît bien, le marron là. Par contre ils sont très rapides. Ouh, il y a un blanc là. Ah non, bah c'est un blanc et marron. Je fais ma sélection. Allez, va pour le... Attendez, voir celui-là, quoi il ressemble. J'aime bien celui-là, tiens. Blanc et noir, là, il est sympa. Il est sympa, celui-là, il change. Allez, c'est parti, petite section. Alors ça, c'est les missions de Bonnie McFarlane qui sont recyclées un petit peu. Un petit manque d'inspiration de la part du chez Rockstar, mais bon. Allez, putain, il est coriace, hein. Voilà. Et je remonte sur Cisco. Ta gueule, putain. Je préfère largement le mien, par contre, il a vraiment la classe. Faut que j'en trouve un deuxième. Ta gueule, putain, et en plus, il m'engueule, quoi. Ouais, s'occuper d'une ferme à son âge, c'est pas évident, hein. C'est, ça doit être un des métiers, une des activités, celle de la ferme, je parle, les plus physiques, hein, les plus difficiles, hein, parce que c'est 7 jours sur 7, et c'est toute la journée que tu travailles, hein, parce qu'à telle heure, faut nourrir les chèvres, à telle heure, faut, voilà, c'est, t'arrêtes pas, donc, bon, allez, peu importe, le premier venu sera le meilleur, hop, j'ai loupé, c'est pas grave, hop. Alors, le vieillard a dit qu'il s'agissait de Mustang, donc n'imaginez pas que c'est une race à part, le Mustang dans le jeu, non. Quand il disait Mustang, il voulait juste dire que ce sont des chevaux sauvages. Il n'y a pas de race qui s'appelle Mustang dans le jeu, en tout cas, je ne crois pas. Si je dis pas de conneries, je réviserai un coup de wiki pour voir si je dis pas de conneries, mais il me semble pas qu'il y ait une race qui s'appelle Mustang. Puisque, comme je vous l'ai dit, les trois meilleures races du jeu, ben, ce sont celles que je vous ai déjà citées. Il n'y a pas une quatrième race craquée qui s'appellerait Mustang, hein, non, ça c'est des conneries. Alors, je dois avouer, par contre, qu'ils sont assez difficiles à gérer, hein. C'est bon, je l'ai eu. Allez, Cisco. Et à mon beau. Il est beau, mon Cisco. Et encore un. On va en faire combien, là? Allez, je veux le marron. Le marron, il est superbe. Ah, enculé. Il est superbe, celui-ci. Il est classique, mais il est beau. Avec la petite tache blanche, là, sur le front. Je trouve super, ce cheval. Vous voyez la crasse qui recouvre toute la partie entière, toute la partie avant, là. Les épaules, les jarrets avant. Toute la crasse noire là qui leur couvre.
En réalité, il est beaucoup moins foncé que ça, le cheval. Une fois que vous l'aurez lavé grâce à la pluie, grâce à des cours d'eau, le cheval, il va retrouver sa robe naturelle, qui est la robe marron clair, là, que vous voyez. Voilà, attention, je vais tomber, là. C'est bon. Voilà, voilà, voilà. Et voilà, un troisième. Combien est-ce qu'on va me demander dans... I think that's enough for now. Let's get him back to the ranch. Tu me diras, ouais, il y a moyen de se faire... Oula, attention, calmos, calmos, embouteillage sur le périph. Il y a moyen de se faire un bon paquet de pognon avec des chevaux comme ça. I learned a few things while I was away. Anything you wanted to know, you only had to ask me. You? What the hell do you know about any of this? I was a rancher myself back in the day. Firstly, I don't believe you. And secondly, if you was, why have you been hiding it all these years? You act like I never do anything. I do plenty. You're asleep half the day, and the other half you're so drunk you couldn't hit the ground with your hat in three throws. I taught you a few things, John Marston. Like how to steal beer when the bartender's not looking, and piss without taking down your pants. All useful skills, partner. Look at these here horses. Fine as cream gravy. It sure will be nice to have some money in our pocket. Any money we make's going straight back into this ranch, not down your gully. Oh, come on. I ain't working for free here. You ain't working at all. That's the problem, old man. What about today? And all them cattle I herded. I'm always sucking hind kid around here. You got food in your belly, ain't you? A roof over your head? You're so tight. You get out of bed to turn over so as not to wear out the sheets. Don't push your luck. A little bottle wouldn't hurt. En même temps, ça me dérangerait pas. To ease an old man's aches and pains. This is why they say you should never hire the people you drink with. Ça me dérangerait pas dormir sur le plancher de ma chambre, de ma chambre à coucher, puisque je sais pas si tu t'imagines le nombre d'endroits juste complètement irréalisables dans lesquels j'ai dormi hein, au cours de mes pérégrinations. Donc par contre là tu ferais mieux de la fermer ta grande gueule. Voilà, ça c'est dit, c'est fait. We need to keep them strong. All right. Damn, a little gratitude wouldn't kill you. Not a bad day's work. Et j'ai gagné 100$. C'est pas énorme hein, pour des chevaux de cette qualité. Et de nouveaux objets sont disponibles dans les magasins. Je vais aller voir de quoi ils retournent. Blackwater, on va aller se promener un petit peu en ville pour finir cet épisode. Afin de voir de quels objets ils retournent là. Parce que je me rappelle plus. C'est quoi ça? C'est des lapins classiques ou des jackalopes? Non, ce sont des lapins classiques. Ok. Bon bah écoutez, on va aller se balader en ville, je passe par là, mais j'ai peur de débloquer la mission en passant. Non, c'est bon, ça devrait le faire. Putain, toutes les barres d'attache sont prises quoi. En plus quand il y a deux chevaux, ouais là c'est ça le problème. Quand t'as deux chevaux, tu peux peu attacher le tien quoi. C'est la place maximum, c'est deux chevaux autour de la barre d'attelage. Bah vous me faites chier, vous avez pris toutes les barres d'attelage, les enculés quoi. Putain, c'est comme les places handicapées, ça c'est incroyable quoi. C'est incroyable. Putain, y a pas de place pour se garer quoi. Bon, tant pis, c'est pas grave. Je vais aller en ville avec le cheval. Les gens ils vont me regarder avec leurs gros yeux parce qu'ils vont dire ouais, mais à cause de vous, nanani, nananer, y a des accidents parce que les chevaux n'ont rien à faire en ville. Y a une époque où les chevaux ils avaient tout à y faire en ville, alors ferme ta gueule. C'est pas parce que t'as acheté une Ford de merde, une voiture de merde là, que tu vas me faire chier avec mon cheval, voilà. C'est tout. Ton époque, je l'emmerde. Ton époque de voiture, de moteur à explosion, d'avion, de cyclomoteur, ton époque de progrès, je l'emmerde profondément. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Moi, je suis partisan des chevaux, parce que déjà d'une, ça pollue pas. De deux, ça entretient des relations assez sympathiques avec la nature. Ça apprend l'homme à respecter une bête. Puisque t'as intérêt à le respecter, ton cheval, si tu veux qu'il te le rende. C'est sympathique, je veux dire, c'est si les gens étaient en chevaux à l'heure actuelle, à la place de rouler tous en bagnole comme des oufs, déjà d'une, il y aurait moins d'accidents, il y aurait quasiment, bah, il y aurait même pas de mortalité, j'ai envie de te dire. De deux, ça serait beaucoup moins cher, parce que t'achètes un cheval, t'aurais pas d'assurance ou de machin comme ça et tout à payer.
Bon, à mon avis, les gouvernements auraient quand même trouvé un truc pour te faire cracher un tant soit peu de pognon. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a que des avantages quoi. Alors, il y a l'inconvénient, tu peux pas aller en vacances. Alors, si tu vas en vacances, il faut 3 jours de marche quoi. Enfin, t'en as pour 3 jours à aller au bord de la mer, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, t'as des inconvénients, mais il y a beaucoup plus d'avantages. Pour moi, les avantages sont beaucoup plus bénéfiques pour l'humanité, on va dire que. Sont beaucoup plus importants que les inconvénients, on va dire. Donc pas de pollution, pas de mortalité, entretien un lien avec la nature. C'est beaucoup plus agréable en plus que transpirer dans une bagnole de merde en plein cagnard. Les visages seraient pas amochés comme ils le sont maintenant avec les autoroutes, les périphes, les machins et tout. Les villes seraient propres. Il y aurait beaucoup moins de cancer du poumon. Parce qu'on dit souvent, bon, le cancer du poumon, on est bien d'accord que le premier facteur c'est le tabac, c'est les gens qui fument. Mais à mon avis, je suis persuadé que le deuxième facteur de cancer de poumon, c'est la pollution, le dioxyde de carbone, je crois, qui est craché par les pots d'échappement. Parce que pour tous ceux qui vivent en ville, mais c'est un truc de ouf, la pollution, c'est un truc de fou ce que vous respirez. Moi, j'habite dans un appart pas trop loin d'une grande avenue, il y a pas mal de passages. Et donc, du coup, la poussière chez moi, elle est noire. Et ça, c'est la pollution sur les fenêtres, sur les machins comme ça, tu vois, ça fait de la poussière noire. Ça, c'est de la pollution. Et c'est un truc de ouf parce que toutes les semaines, t'es obligé de faire tes poussières, tu vois, d'enlever cette merde. Et je me dis, mais putain, ça, on y respire, ça vient se coller dans tes poumons à longueur de temps. Donc, ça les arrange pas, tes poumons et tes bronches. Hein. Donc, à mon avis, je pense que on a tendance à mettre beaucoup plus de morts par cancer du poumon sur le dos du tabac. Alors, il y en a beaucoup, bien évidemment, c'est le premier facteur, je dis pas le contraire. C'est pour ça que fumer, c'est une saloperie. Mais on a tendance, je pense, à mettre beaucoup de morts dû à un cancer du poumon sur le dos du tabac. Alors qu'en fait, c'est les bagnoles et tout, mais ça, faut pas le dire, tu vois. Faut pas le dire parce que sinon, faut pas critiquer l'industrie automobile ou voilà. Parce qu'il y a des gens qui s'en foutent plein les poches, hein, les gros industriels pétrolifères, enfin les grosses compagnies de pétrole, de stations essence, des machins comme ça et tout, les grosses compagnies automobiles également. Je veux dire, il y a des gros lobbies dans ce domaine-là qui touchent un maximum de pognon, et c'est pour ça qu'il faut pas dire que les voitures tuent. Je voulais regarder ce que Painted Standardbred, un Appaloosa. Ouais, c'est un cheval indien ça. Enfin, c'est un cheval, c'est un nom qui a été donné par les Indiens. Faut savoir qu'il n'y avait pas de chevaux aux États-Unis tout au début. En Amérique, il n'y avait pas de chevaux. Ce sont les conquistadores espagnols qui ont importé les chevaux d'Espagne directement, en fait. Voilà. Il n'y avait pas de chevaux sur le sol américain. Avant l'arrivée donc des Espagnols. Hein. Turcoman, cheval du Kentucky, machin, Wash Mountain. Vous voyez, il n'y a pas de. C'est bien ce que je disais. Hein. Il n'y avait pas de. Comment on appelle ça? Y a pas de merde, comment on appelle ça, putain, de Mustang, voilà. Alors je vois pas ce que j'ai débloqué comme race de ch... C'est dommage, ça, ils auraient dû me le dire, ça, ils devraient dire ce que t'as débloqué, parce qu'ils disent que t'as débloqué des nouveaux trucs dans les magasins. Le problème, c'est quand t'arrives dans le magasin, tu sais pas ce que t'as débloqué. Là, j'ai probablement, je sais pas, débloqué peut-être le Painted Standardbred, puisque c'est un des chevaux que j'ai dû. Le Pinto Tobiano, ça me dit rien aussi. Ouais, ça se peut que j'ai débloqué ça. Et puis ça, c'est quoi ça? Un robe brune, ouais, bah c'est ça, à mon avis, que j'ai débloqué. Le Painted Standardbred, le Pinto Tobiano, parce que je me rappelle pas avoir ces. Puis celui-là aussi, peut-être bien. Je me rappelle pas avoir vu ces chevaux avant dans le. Bref, toujours est-il qu'on s'en fout, quoi qu'il arrive. Ça ne m'intéresse pas. Je vais aller boire un petit coup, parce que la route m'a donné soif. Je vais pas m'éterniser, hein, parce que ma femme, elle va gueuler, sinon. T'étais où? J'étais en train de picoler des verres de. Comment on appelle ça? De cognac au Blackwater Saloon. Parce qu'ici ils vendent du imported scotch bourbon. Ah oui, c'est. Oui, putain, j'ai déjà fait la. J'allais refaire la remarque que j'ai déjà fait. Tu sais, l'Austral qui se répète tel un vieux sénile. J'allais faire la remarque que j'ai déjà fait comme quoi du scotch bourbon. Du imported scotch bourbon, ça veut rien dire. Mais voilà, on s'est compris. C'est imported scotch et bourbon. Il y a du blackjack ici, mais je sais pas jouer, j'ai pas envie de jouer. Bois. Patron. Balance la bouteille de cognac, du brandy, du Hennessy et du bon. Hein. Ah, il a demandé du bourbon, John. Pourquoi pas, hein. D'habitude, il demande du brandy ici. Ça dépend peut-être de la tenue que tu reportes. Parce que quand j'étais arrivé ici, j'avais la tenue élégante et j'avais demandé du Hennessy. Du cognac, du bourbon, pardon. Du bourbon, du brandy, putain, je vais y arriver. Give me the same again. Enjoy it. Et là, vu que je suis. Oh là, pas à côté, l'ami, pas à côté. Tu connais le prix de ces choses-là, toi? C'est incroyable, ça.
Ah, je vais pas. Non, vas-y. Pas plus de 2 verres parce qu'il faut que je reprenne la route. Donc, puis ma femme va gueuler. Donc, c'est pas la peine. Merci, ça fait plaisir. En plus, la nuit tombe et tout. Ouais, je vais me faire engueuler par la gonzesse. Quelque part, ça me manque le temps où je pouvais jouer au poker sans avoir à me préoccuper de ce que ma femme me dirait. Ça me manque quand j'étais libre. Bon, eux, ils l'étaient pas. Ma femme ne l'était pas libre à l'époque. Mais moi, je l'étais. Ça me manque. Sour Mash, j'avais déjà expliqué ce que c'était que le Sour Mash. Je crois que j'ai tout montré à Blackwater. Hein. C'est une ville dans laquelle nous ne reviendrons probablement pas, donc dites-lui au revoir à cette petite cité de Blackwater. Enfin, petite, c'est la plus grande du jeu, mais... C'est vrai que c'est un des reproches que j'aurais à faire au jeu, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de villes, hein, c'est dommage. Le fait qu'il y ait une grande ville comme ça, comme Blackwater, qui soit développée, ça je suis entièrement pour, parce que ça te permet justement... J'adore le côté, t'arrives habillé en bouseux avec ton cheval dans une ville où les gens ils sont habillés... Tu sais, les gonzesses, elles ont des belles robes et tout à dentelle, les mecs sont tous en costard avec leurs petits chapeaux melons et leurs cannes de pédale, tous en train de conduire des petites voitures, même si malheureusement le moteur du jeu ne le permet pas. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, j'aime bien le côté ville civilisée. Et toi, t'arrives tel le cowboy que t'es, tu craches par terre, tu bois ton sky et t'es à cheval. J'aime bien ce côté-là. Donc, je ne suis pas contre le fait qu'il y ait une grande ville comme Blackwater. Par contre, moi, là où j'ai été vraiment déçu la première fois que j'ai joué au jeu, c'est que, vous voyez, la ville d'Armadillo, qui est la ville typique western. C'est la ville vraiment typique western, tu peux pas faire plus. Et ben cette ville là j'aurais aimé qu'il y en ait eu 2 ou 3 de plus dans New Austin. Tu vois, par exemple il y a Tumbleweed là, c'est bien d'avoir pensé à mettre une ville... non c'est là. C'est là, c'est bien d'avoir pensé à mettre une ville fantôme, c'est très très bien, je suis entièrement pour. Parce que pareil, les villes fantômes t'es obligé d'en mettre une dans un jeu western. Sinon c'est comme un plateau de fromage sans pavé d'affinerie. Mais ce que j'aurais aimé c'est une autre ville comme Tumbleweed, une autre petite ville comme ça. Au moins une ou deux quoi. Je sais pas, une Rio Bravo ou je sais pas, tu vois. Est-ce que ça manque du coup un petit peu là? Enfin, ça manque tout simplement, quoi, donc voilà. Bon, enfin, cet avis n'engage que moi, hein, bien évidemment. Et allez, on va se dépêcher, on va essayer de rentrer à Beecher's Hope avant la tombée de la nuit. Elle est déjà en train de gueuler, là? Non, je sais pas. Du coup, je suis allé en ville pour rien du tout, hein. Tu sais, ça c'est le mari qui est blasé par sa gonzesse et puis qui essaye toujours de trouver une excuse pour aller picoler en ville avec des potes, tu sais, en mode ah il faut que j'aille acheter un truc en ville, tu sais. Les mecs en fait qu'est-ce qu'il fait, il va au bar, il picole 2-3 verres histoire d'eux, tu sais. Tac. Let's go. Ah, faut que j'attache mon cheval là-bas parce qu'Abigail elle gueule. Y'a une barre d'attelage à côté du corral, c'est là qu'on met les chevaux. Nanani nanani, chaque chose à sa place. Voilà, bah c'est ça les gonzesses. Du coup, je suis obligé de mettre mon cheval ici à chaque fois parce qu'elle gueule, sinon, parce qu'elle gueule parce que le cheval il chie sur son perron. Donc du coup, elle est obligée de nettoyer à chaque fois. Nanani nanani. Ah, c'est les gonzesses, c'est pour ça qu'on les aime aussi, hein, quelque part. Heureusement qu'elles sont là parce que sinon, putain. Ce serait un sacré bordel. Hein. Non, mais c'est vrai en plus. Hein. Ils ont quand même beaucoup plus de sens de l'organisation, de la propreté que les bons hommes que nous sommes. C'est d'ailleurs ce qui fonde la complémentarité du couple. Hein. Enfin, c'est la complémentarité d'ailleurs qui fonde le couple, voilà, c'est ce que je voulais dire. Elle est quand même sympa cette petite ferme bâtie à la force de... Bizarre ce bruit. À la force de mes mains. Apparemment c'est John qui l'aurait construit cette ferme tout seul en bon père de famille qu'il est. Le truc que tous les gars de ma génération seraient incapables de faire. À part ceux qui bossent dans le bâtiment, mais. C'est vrai qu'à l'époque c'était des vrais hommes parce que les mecs ils construisaient une maison pour leur femme. C'est là que t'es un vrai bonhomme, tu vois ce que je veux dire. Maintenant c'est fini ce temps-là. Nous avons d'autres préoccupations, vous me direz. Moi j'aime bien ce vieillard parce que. Parce qu'il est sympathique, c'est un vieillard qui est un peu alcoolique, il a sûrement un passé qui l'a forcé à devenir alcoolique, on sait pas, regardez, il a pas de femme, peut-être que sa femme est morte dans notre souffrance, donc du coup le mec c'est pour ça qu'il a le goulot facile on va dire, donc moi j'excuse, c'est un mec, Joel je le trouve très sévère, je le trouve trop méchant avec l'oncle, ça me dérange un peu moi. Ma chère femme, bonjour chérie, t'étais où? Ah c'est bon, moi j'ai eu peur. La façon dont elle a dit John, tu sais, en mode, oh putain, ça y est, elle a reniflé le whisky à 15 mètres.
Non, non, tranquille, j'étais en ville et tout. Je suis allé vendre des trucs, des chevaux. Tiens, je suis allé vendre des chevaux, ouais, parfaitement, ouais. Oh, t'aurais pas fait un détour par le saloon de Blackwater? Le saloon de Blackwater? Chérie, tu sais bien qu'ils ne servent que du brandy. C'est le gars qui trouve des excuses. Genre, un saloon ne serve que du cognac, quoi. Surtout que c'est le saloon sur le port, c'est-à-dire que c'est là où t'as le plus de. Comment dire? T'as le plus d'activité, tu sais, t'as l'import-export qui se fait très, de manière, comment dire, extrêmement facile parce que t'es sur un port, donc logiquement, c'est là toutes les marchandises qui vont transiter dans la région, elles vont être obligées de passer par Blackwater, tu vois. Donc en très gros, oui, l'excuse, non, mais ils vendent rien, y a rien à Blackwater, au saloon de Blackwater, y a rien, c'est juste une excuse complètement incohérente. Et je suis en train de regarder dans le miroir parce qu'on m'a dit qu'on voyait des choses quand on regardait dans les miroirs. Le mec qui a dit ça, je pense qu'il a trop regardé Retour à Cold Mountain, une connerie comme ça, mais... Je dois vous avouer que les chevaux sont... C'est des coyotes, ça, les chevaux sont nerveux. Là. Jan ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis pas sorti pour picoler ou pour fumer, merde ! Putain, je suis sorti pour vérifier un truc. Ah, les gonzesses. Je suis sorti pour surveiller le ranch parce que, bon, il y a quand même des bandits dans la région, faut pas l'oublier. Il y en a moins qu'à New Austin, certes, mais même. J'entends un chien qui aboie, mon cheval qui est nerveux et tout, donc c'est pour ça que je suis sorti. Je suis pas sorti pour fumer. Quelle idée. C'est bien que je fume plus, Abby. Ah, le menteur, tu sais. Bon, bah, on attend qu'elle nous fasse à bouffer, on va se reposer, puis on va se donner rendez-vous sur l'épisode 38, si je dis pas de conneries. C'est ça, c'est l'épisode 38. Voilà. Et je cherche mon fils. Où est mon fils? Je l'ai pas vu, le fiston. Jack. Jack. Abby, tu as vu Jack ou est-ce qu'il est avec toi ou comment ça se passe? Eh, vieillard, est-ce que tu as vu mon fils? Bon, t'es complètement bourré de toute façon, tu sais pas. Est-ce que tu as vu Jack, Abby? Parce que là... Tu t'en fous complètement, toi. Tu fais à bouffer, tu t'en fous de ton fils, toi. Ça m'inquiète, cette histoire de... Puis je vais pas me lancer à sa recherche en pleine nuit, comme ça, c'est très dangereux. Je vais attendre quelques heures pour voir s'il est peut-être allé se promener, ma foi. Hein. Je vais pas non plus me la jouer ultra sécuritaire avec lui. Je vais pas non plus jouer au père flic. Il est peut-être allé se promener, le fiston, mais ça m'inquiète, ça. Je vais attendre quelques heures pour voir, et puis... s'il ne donne pas signe de vie... dans la soirée, je serai obligé de partir à sa recherche parce que là ça m'inquiète. Il est tout jeune, hein, il a 17 ans le gamin, 16-17 ans. À cet âge là on se croit grand mais on n'est qu'un gamin. Hein. Ou alors à moins qu'il soit là-bas au corral. Voilà, c'est pas ça que je voulais faire, c'est ça. Chérie, il y a quelque chose qui m'inquiète quand même, hein. Mon fils. Il est en boîte? Comment ça, il est parti en boîte? Je lui ai dit, tu vas pas en boîte de nuit avant tes 18 ans. Ils auraient dû faire une touche rapide pour les jumelles, c'est assez chiant de devoir repasser par l'inventaire à chaque fois. Ils auraient dû faire une touche rapide style avec le pad, la flèche, avec les flèches directionnelles. Genre t'appuies sur la flèche haute et ça te met la jumelle. Ah tiens, Cisco s'est dédoublé. Ah, c'est la malédiction de Tumbleweeds. Hein. Déjà ça l'avait fait avec Blondin. Blondin ça avait tendance à se dédoubler. Des fois il y avait deux Blondins pour le prix d'un. Poil au sein, et ben là, Cisco, j'ai l'impression qu'il a subi un petit peu la même malédiction. Il y a deux Cisco pour le prix d'un, là. Bon, bah écoutez, s'il rentre pas dans la nuit, j'irai le chercher. Hein. Demain à l'aube, lorsque le jour commencera à se lever, ça sera plus simple pour entamer les recherches. Parce que là, ça m'inquiète, très sincèrement. Ah, tu dors là-dedans, toi. Ouais, mais d'accord, non, mais j'ai rien dit. Vas-y, je veux même pas savoir ce que t'étais en train de faire. Je veux même pas savoir ce que t'étais en train de faire, vieux. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave.
Pourquoi? Ça n'arrive qu'à moi, ça. Je refuse de dormir à côté d'une femme possédée. D'une femme habitée par le démon. Allez, sur ce, on se donne rendez-vous sur l'épisode 38 qui sera peut-être le dernier, peut-être l'avant-dernier, je sais pas. On verra ça plus tard. Ciao les amis.